Il s'agit du finissage de travaux de la route Basoko située dans la commune de Ngalima. Le riverain de cette longue route exprime toute l'ingratitude face à cela. Nous sommes très contents parce que cette route a toujours été négligée. C'est la première fois que quelqu'un de bonne volonté, le chef de l'État bien sûr, a pensé à revaloriser la route. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous sommes très contents et très émerveillés. Vraiment, nous sommes contents de cette œuvre grandiose que le chef de l'État a pensé aussi à nous pour cette nuit. Longtemps, nous avons entendu de ça, mais aujourd'hui, c'est concrétisé. Vraiment, nous sommes contents pour désengorger le boulevard qui est toujours en embouteillage. Vraiment, nous sommes contents. Et au finissage de tous ces travaux ici. L'ingénieur Gabriel Kabichi, JMC Sarel, explique les petits détails restants. La suite, c'est l'imprégnation et la pose enrobée, c'est-à-dire la couche de roulement. Donc, les travaux sont fin prêts, comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Et donc, c'est demain d'ailleurs qu'on va imprégner et le surlendemain, on pose enrobée. Et à part ça, il y a aussi des trottoirs qu'on compte commencer demain. Déjà, on est en train d'approvisionner les 0,31,5 pour pouvoir rechercher les matériaux pour pouvoir changer cet endroit-là. Et les bordures qu'on peut commencer à poser, demain. Donc, les travaux sont finis. Donc, on n'est plus ici pour plus de 2 semaines. Je mets 2 semaines parce que c'est une marge de sécurité. Donc une semaine possible de pouvoir terminer avec le trottoir parce que comme vous pouvez le remarquer, ici vraiment tout est coincé. Cette partie est trop exiguë, trop petite parce que vous avez ce mur qui est là, donc qui coince vraiment la route et les trottoirs. Cet endroit-là, c'est devenu un peu compliqué. La responsabilité de la population est importante pour la pérennisation de ces travaux. Nous devons nous prendre en charge, que nous devons aider les chefs de l'État. Quand, par exemple, on réalise une œuvre pareille, il faut que nous puissions assumer aussi notre responsabilité de bien entretenir ça. Et ça sera aussi notre contribution de notre part. Ça sera vraiment... vraiment très bien, très bien, très bien de notre part aussi de prendre soin de cet avenir. Notez que ces travaux sont dans le cadre du projet Kinshasa Zero Trou, projeté par le gouvernement Samalou Kone, exécuté par la société JMC Sarel.